Roland Cazot. Cet homme n'a franchement pas l'allure d'un violeur en série. Look de surfeur, regard bleu, plutôt beau gosse. Le genre d'homme qui plaît aux femmes. Et pourtant, pendant 20 ans, il a été un prédateur, un chasseur qui a traqué, épié, suivi, agressé et violé des dizaines de femmes, répétant à chaque fois le même scénario. La nuit, le week-end, des femmes seules, souvent avec enfants, qu'il attaquait en plein sommeil, dans leur lit, et qu'il ligotait avec des cordelettes, viol après viol. On l'a surnommé le chat, parce qu'il attaquait dans le noir et se déplaçait avec beaucoup d'agilité. De 1987 à 2002, il a opéré dans un périmètre géographique très réduit. Arcachon en Gironde, Osgore dans les Landes, Biarritz sur la côte basque. En 15 ans, il a fait 36 victimes. Arcachon, ses plages, sa tranquillité, ses belles maisons. On est à une encablure de Bordeaux. Station balnéaire chic et calme. Le 17 juillet 87, en pleine nuit, au numéro 8 d'une petite rue tranquille, une jeune femme dort paisiblement. À ses côtés, sa fille de 6 ans. Je dors, il est 2-3 heures du matin, j'ai mon enfant à côté de moi. Et je sens une main, une présence à côté de moi, accroupie. Et rapidement, je me redresse et j'ai une main gantée qui se pose sur mon poignet. Et donc, il me dit de ne pas bouger et me demande donc de la drogue. Je dis que je n'en ai pas. L'agresseur fouille la maison. La jeune femme croit à un cambriolage. Mais l'homme revient vers elle. Il me ligote en me disant « je préfère t'attacher ». Et à ce moment-là, il m'entraîne au pied du lit et il me demande de lui faire une fellation. Mon enfant est à quand même 50 cm de nous. Donc, je m'exécute, les mains attachées dans le dos. On ne voit que la mort à ce moment-là. La mort de soi-même et là, la mort de mon enfant. La crainte en permanence de voir mon enfant se réveiller à ce moment-là était absolument obsessionnelle. J'ai une attitude d'une soumission totale. Étant donné que, pour moi, à ce moment-là, c'était la seule chance de s'en sortir. Il continue le viol par une pénétration, je dirais, tout à fait classique. Et pendant le viol, je réussis à détacher mes liens. Pour se débarrasser de l'homme qui vient de la violer, la jeune femme lui propose de lui donner sa carte de crédit qui, dit-elle, se trouve à l'autre bout de la maison. J'en ai profité, donc immédiatement, j'ai ouvert la fenêtre, un volet, et j'ai pris mon enfant et je l'ai jeté par la fenêtre. Il y avait un buisson dessous, donc elle savait que sa fille atterrirait sur le buisson et qu'elle ne se ferait pas, en principe, mal. Mais c'est vrai qu'elle a... Elle a jeté son enfant, elle a enjambé la fenêtre et elle a couru dans la rue comme ça. Donc inutile de vous dire à quel point, effectivement, elle sentait la mort. Le lendemain matin, Dominique porte plainte au commissariat d'Arcachon. 3 jours plus tard, les policiers arrêtent un homme. Un SDF de 25 ans qui traîne dans les parages et qui est déjà fiché pour des problèmes de drogue. Dominique est invité à l'identifier. On me fait rentrer dans une salle avec une vitre sans teint et on me demande évidemment si c'est cette personne. Bon, il y avait effectivement le port d'un pantalon ou d'une toile un peu rugueuse, une silhouette que j'avais décrite avec une certaine masse de cheveux qui me semblait être un peu volumineux, un peu frisé, la taille, la corpulence.
Néanmoins, dans ma déposition, je le dis, je ne peux pas le reconnaître formellement, dans la mesure où l'agression s'était passée dans le noir et l'obscurité totale. Elle ne le reconnaît pas formellement, mais pour les policiers, pas de doute. C'est lui. L'affaire est close. Un mois après, je rencontre un des inspecteurs qui me dit « Ah, au fait, pour votre affaire, bon, il n'y a pas de problème, c'était bien cette personne. Comme c'est une personne déséquilibrée, il est en hôpital psychiatrique, il n'y aura pas de suite, étant donné qu'il n'y aura pas de procès, donc c'est sûrement d'ailleurs beaucoup mieux pour vous, donc ça va s'arrêter là. » Et à ce moment-là, je n'entends plus jamais parler de cette affaire. On est donc en 1987. La vérité, c'est que faute de preuves, l'homme est relâché après 10 mois de prison. Un non-lieu est prononcé. C'était une fausse piste. 8 mois plus tard, en mars 88, à quelques rues du domicile de la première victime, autre viol, même scénario. En pleine nuit, l'homme s'introduit chez une femme seule qu'il réveille après avoir coupé le courant. Il prétend qu'il sort de prison, il lui attache les mains et la viole. Avant de partir, il prend 70 francs, 10 euros, dans son sac à main. La même année, en novembre, troisième viol, au Moulot cette fois, un quartier huppé d'Arcachon, dans cette résidence du front de mer. Au deuxième étage, toujours en pleine nuit. La police relève des empreintes et des traces de sperme et constate que le compteur électrique a été coupé. Et puis plus rien, pendant 2 ans, jusqu'en 91, quatrième viol. Et puis à nouveau le calme plat. Ces agressions sont trop espacées. Les policiers n'imaginent pas un seul instant avoir affaire à un même homme. Il faut attendre 94 et 4 viols de plus pour qu'enfin la police se pose des questions. En 94, il y a eu 4 viols en quelques mois très rapprochés. Et on a eu la chance d'avoir un responsable qui a gambergé dessus, qui a dit « mais il y a 4 viols en 6 mois avec le même modus operandi » et là, il a tiré la sonnette d'alarme. Il y avait une chose qui revenait systématiquement, c'était la coupure de courant. Et quand on voit la complexité d'aller trouver un disjoncteur EDF dans une maison qui était des fois située à la cave, dans l'entrée, etc., pour un individu qui rentrait de nuit sans lumière et se déplaçait à la maison, c'était un fait qui faisait qu'on avait quand même une stratégie qui était commune à un seul individu. Ça ne pouvait pas être en quelque circonstance. La coupure de compteur, l'obscurité totale, les cordelettes, cette volonté de faire croire à un cambriolage, le mode opératoire est toujours le même. Un violeur en série rôde à Arcachon. En septembre 1994, la PJ de Bordeaux est saisie de l'enquête. Au début de l'enquête, nous n'avons rien. Nous n'avons pas de signalement. Nous avons des choses précises, ce sont les horaires, des dates, et c'est tout. Et nous n'avons pas de suspect, nous n'avons pas de doute sur quelqu'un, nous n'avons rien. Rien non plus du côté des victimes. Elles ne se connaissent pas, n'ont pas de relations communes, elles ont entre 30 et 54 ans et sont aussi bien blondes que brunes. Donc pas de type de femme, pas d'âge, pas de situation, ça allait de l'employé à un cadre supérieur. La seule chose qui était générale et commune, c'est qu'il y avait ou pas de mari ou qu'il y avait un mari absent. Ça c'était une chose. Par contre, la présence d'enfants ne gênait pas. Alors, quelle piste suivre? À l'affût du détail qui pourrait faire tilt, les policiers reprennent une à une toutes les dépositions des victimes. Ils n'ont qu'un seul indice matériel,
les 4 ADN identiques retrouvés sur les lieux des viols. Des ADN, mais pas de nom. Pour coincer le violeur, il va falloir ratisser large. Paul Falguera, vous arrivez en 1995, en janvier, à la tête de la brigade criminelle de Bordeaux. Lorsque vous arrivez, où en est l'enquête ? Alors, déjà, nous avons 7 viols recensés et 4 ADN identiques. Par contre, entre deux agressions, il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça ne vous fait pas douter, ça, d'un violeur en série, le fait qu'il y ait du temps qui passe et que tout ça soit passé sur un laps de temps extrêmement long ? Non, parce que à chaque fois, cette manière d'opérer revient, quoi. Donc, nous, on est persuadés qu'il s'agit du même individu. Alors, est-ce qu'elles l'ont vu, ces femmes, ou est-ce qu'elles ont un souvenir, une trace ? Est-ce qu'elles peuvent en parler ? Il pourrait s'agir d'un individu d'une quarantaine d'années, assez athlétique, et qui a une forte odeur de transpiration. Et les mains également calleuses. Alors on se dit, bon bien, ça peut être un manuel, très certainement. On part du principe qu'il prend du temps à observer ses victimes. Et là, si vous voulez, on décide de faire des surveillances, d'interpeller des individus dans le milieu de la nuit, de faire tout un environnement au niveau des artisans, des entreprises publiques, etc. Et vous dites faire un environnement, ça veut dire que vous allez interroger les gens ou vous allez jusqu'à faire des prélèvements ADN chez des ouvriers ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un nous y signalait, par exemple, un artisan qui a travaillé chez plusieurs victimes ou même une victime, et on lui demande un prélèvement sanguin, et on fait systématiquement la comparaison d'ADN. Et malheureusement, bon, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien, mais les policiers ne relâchent pas la pression. Arcachon est quadrillé. Les rues principales sont sous vidéosurveillance. Théoriquement, rien ne peut leur échapper. Mais entre-temps, le violeur s'est comme volatilisé. Pendant un an et demi, il ne se manifeste plus. Les policiers continuent leur travail de fourmi. Ils vérifient les emplois du temps des employés municipaux, des postiers. Ils épluchent les dossiers des délinquants sexuels, comparent leur date d'incarcération avec celle des viols. Cela fait maintenant un an et demi que le violeur n'est pas passé à l'action. Jusqu'au 5 juillet 1996, au Pilat-sur-Mer, à deux pas d'Arcachon, une jeune femme est violée, les mains liées dans le dos. Ses deux enfants en bas âge dorment dans la pièce d'à côté. Le compteur de la cave a été coupé. Idem le 22 août. Nouvelle victime. Puis 15 jours plus tard, le 5 septembre. La police se sent impuissante. Les patrouilles de police étaient prêtes à intervenir dans la minute d'un déclenchement d'une alarme. C'est-à-dire que, à l'instant où une victime dit « je viens d'être victime d'un viol », immédiatement, le commissariat de police était à même de bloquer et de vérifier les véhicules qui pouvaient sortir d'Arcachon. Et jamais il y a eu d'interpellation, de voitures signalées, de doutes, tant à pied, en vélo, etc. Donc ça, c'était une énigme. Pas de signalement, pas d'indice, et des victimes qui n'ont rien vu. L'enquête n'avance pas. Jusqu'au 13 septembre 1996. À 2h du matin, le violeur s'engage dans une ruelle du quartier du Moulot. Là, dans un appartement situé en rez-de-jardin, une femme vit seule avec son fils de 3 ans. Je me couche et puis tout d'un coup, j'entends un bruit, un drôle de bruit. Je m'assois dans mon lit et puis j'écoute. Je me dis, est-ce que c'est mon fils ? J'attends un petit peu. J'entends plus rien, donc je me recouche. Et puis, je me retourne et je sens quelque chose un peu au niveau des pieds. Et puis, quand même, ce quelque chose devient de plus en plus insistant. Et je sens comme des petits tâtonnements, tapotements, quand même, qui remontent un peu jusqu'au buste. Et tout d'un coup, j'ai hurlé, c'était presque, je dirais, un cri animal. Et là, il est parti, mais avec, c'est vrai, une certaine agilité. Je lui ai couru après. Alors ça,
Ça, c'est encore l'instinct, c'est encore... Et je l'ai vu partir, j'ai vu sa silhouette, parce que donc, j'avais une grande baie vitrée et la lumière de la rue. J'appelle la police et je leur dis, écoutez, il y avait un homme et j'ai plus de lumière. Et c'est là où ils me disent, oh, ne bougez pas, c'est notre violeur. Alors là, c'est vrai que j'ai plus bougé, parce que sur le coup, c'est vrai que je pensais pas que j'allais subir une agression sexuelle. C'est vrai que j'ai eu tellement cette chance qu'il soit parti vite, que sur le coup, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit, que c'était un violeur. Ce que raconte Marie-Christine aux policiers, c'est qu'il a suffi d'un cri pour que le violeur prenne la fuite. Je suis la première où il n'y a rien eu. Et c'est vrai que j'ai dit au policier, il est parti sous mes cris. Et sur le coup, les policiers, on m'a quand même dit, je me souviens, un qui me dit, mais vous êtes sûr, vous n'avez pas été violée. Je me dis, non, mais non, un viol, on ne peut pas passer. Alors, enfin, est-ce que vous avez été droguée ou... Non. Et pour la première fois, une victime a vu davantage qu'une ombre. Je l'ai vu une silhouette, à peu près, si j'avais dit, 1m80, assez svelte, très agile, parce que de l'autre côté, donc au niveau de mon salon, il y avait des meubles un peu partout, il y avait une petite table basse, avec justement une corbeille en fruits, en bois, qui tombe toujours dès qu'on la frôle. Et là, il est parti, mais avec, c'est vrai, une certaine agilité, et il n'a touché aucun meuble. Alors, où ça s'est... Certains me disaient, mais c'est parce qu'ils connaissaient très bien les lieux. Mais c'est vrai qu'il avait quand même une sacrée agilité. Dès lors, le violeur hérite d'un surnom, le chat. Mais il n'a toujours ni nom, ni visage. Le chat continue de se faufiler et de défier la police. On en est là quand une de ses victimes se décide à agir. Maître Novion, vous êtes l'avocat d'une des victimes du chat, tellement traumatisée qu'elle ne peut pas en parler encore aujourd'hui. Et pourtant, elle a joué un rôle essentiel dans cette enquête. Votre souci commun, c'est que l'affaire ne soit jamais enterrée, qu'on l'oublie. Elle souhaite, assez rapidement, que nous soyons convoqués par le juge d'instruction. Mais qu'est-ce qu'elle veut lui dire? Qu'est-ce qu'elle attend de cette rencontre? Alors, elle pense... pour dire tout à fait les choses très, très, très franchement, qu'au départ, son cas n'a peut-être pas été pris avec toute la circonspection qui s'imposait. Elle pense qu'on n'a peut-être pas été jusqu'au bout de ce qui convenait d'extraire de sa propre malheureuse situation. Et là aussi, alors là, le juge d'instruction, il nous dit, écoutez, voilà ce que je vais faire, je vous propose, c'est dans quelques temps, vous allez recevoir une convocation, vous allez venir avec votre cliente au commissariat central. Là, je vais convoquer toutes les victimes recensées dans le cadre de l'affaire dont je suis saisi. Et puis vous allez apprendre quand même quelque chose d'important. C'est qu'une femme a eu une attitude différente de toutes les victimes. Elle a crié. Oui, il y a eu des comportements de défense. Et ça va nous apprendre des choses sur, effectivement, le mode d'emploi de l'agresseur, sa personnalité, sa façon d'agir. Donc on sait que c'est quelqu'un qui, par rapport à une certaine résistance affichée par une victime, peut très vite, prendre la poudre d'escampette et ne pas insister. À un moment donné, votre cliente, avec deux autres victimes, je crois, décide de rencontrer la presse. Oui. C'est pas évident, hein, dans des affaires de viol, en général, non. On ne veut pas... Non. Que la presse en parle. Oui, elle veut qu'il y ait vraiment une prise de conscience très forte et elle veut médiatiser. Puis je crois qu'elle est véritablement, à un moment donné, elle est désespérée. Et les années passent. En fait, elle veut lutter contre l'oubli, quoi. Oui, oui, complètement, complètement. Rendez-vous est donc pris pour le 20 juin 98 à Arcachon. Un journaliste de Sud-Ouest rencontre trois des victimes. Le journaliste donc est arrivé, nous a demandé à peu près à chacune de raconter notre histoire et de voir un peu le déroulement, de savoir notre étonnement un peu quand même par rapport à cette affaire. Et nous, c'était presque, on voulait presque vraiment, enfin moi je voulais surtout plus interroger presque sur le journaliste, sur le pourquoi on n'en a jamais entendu parler. Et que vous a-t-il répondu? Il est resté assez évasif, hein. Franchement, je n'ai pas eu de réponse concrète. Nous sommes en 98. Le chat viole depuis
plus de 10 ans. On lui connaît 13 victimes et pourtant pas un seul article n'est paru dans la presse. Le juge Périquet a décidé de ne pas demander la médiatisation de cette affaire pour deux raisons principales. Un, suite au desiderata de la ville d'Arcachon, qui a dit « Ah, attendez, vous allez nous mettre la panique. Vous allez dire « Arcachon va être la ville du viol ». Cette phrase qui a été dite. Et deuxièmement, et c'était, je pense, la raison la plus importante, c'est le fait que ça allait perturber l'enquête. Ça risquait de faire changer le mode opératoire de notre violeur, qui aurait lu la presse lui aussi. Ça aurait pu faire copier le mode opératoire à d'autres violeurs différents, qui auraient brouillé énormément les pistes. Donc ça aurait terriblement gêné l'enquête. Pour les victimes, l'urgence est de prévenir, d'alerter la population, d'éviter d'autres crimes. L'entrevue avec le journaliste débouche sur un article, le premier, qui paraît le 21 juin. Pour la première fois à Sud-Ouest, titre sur l'affaire. Les trois femmes ont tout raconté. Elles ont notamment décrit le mode opératoire du violeur. Ben moi, j'étais contente quand même de voir cet article parce que justement, enfin, on en parlait. Et c'est vrai qu'enfin, on a eu quand même des réactions. Moi, je me souviens que dans mon entourage, on commençait à me dire « Ah, ben, c'était vrai !» Je veux dire, après, c'est vrai petit à petit, il y a certaines langues qui se délient, qui disent « Ah, ben, j'en avais entendu parler, mais j'y croyais pas. » Et puis, j'ai eu d'autres femmes qui ont vraiment bien pris aussi au sérieux, qui disent « qui nous ont presque remercié, à dire « Ah ben, heureusement qu'on le sait maintenant, on va faire plus attention. » À ce moment-là, le chat a commis 11 viols et 2 tentatives manquées. Et puis pendant 2 ans, on n'entend plus parler de lui. Plus de viols et toujours aucune piste. L'enquête s'enlise et le chat a disparu jusqu'au mois d'avril 1999. Et là, le chat revient là où il avait échoué 3 ans plus tôt. Chez Marie-Christine, la victime qui lui a échappé grâce à ses cris. Il est revenu quand même dans ma résidence, dans mon appartement. C'est vrai qu'on rentre quand même dans une certaine paranoïa. Après, on se dit, mais il me cherche. Mais Marie-Christine a déménagé. Ça n'est donc pas elle qu'il viole, mais la nouvelle locataire. Pour Marie-Christine, le choc est cependant terrible. Elle est persuadée que le chat la poursuit. Ça a été terrible. Je veux dire, chaque fois, il fallait que je dorme lumière allumée, même habillée, le portable directement sur le 17. J'ai même eu une fois, je me suis retournée, j'ai entendu quelqu'un qui parlait parce que j'avais appuyé sur la touche. Bon, ils ont été tout de suite très gentils. Vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on ne vit pas du tout pareil. Je m'endormais que vers presque 5 heures du matin pour se relever à 7 heures parce que, surtout l'heure fatidique, entre 3 et 5 heures, impossible de dormir. Impossible de dormir tant que le chat court toujours. C'est alors que les policiers et le juge d'instruction décident d'innover et font appel à un profileur. Pendant 3 mois, Pierre Leclerc revient sur les lieux des viols, en pleine nuit, aux heures même des agressions. Il cherche à analyser le mode opératoire du chat. Comment se fait-il que depuis plus de 10 ans, aucune de ses victimes n'ait pu l'apercevoir ? C'est dans ce genre d'habitation, ou alors dans des petits immeubles de 2 ou 3 étages, que l'agresseur intervenait. Il restait dissimulé, souvent pendant plusieurs heures, dans les abords de cet endroit, dans des endroits dissimulés derrière des canisses, ou derrière des endroits où il pouvait observer sans être vu les allées et venues de la maison, qu'il faisait ses opérations de repérage. Le chat passe beaucoup de temps à repérer, à épier sa proie, à préparer son coup. Les policiers ont d'ailleurs retrouvé chez certaines victimes des cales pour empêcher le verrouillage des baies vitrées et des petits trous à hauteur d'yeux dans les volets. Pour piéger ses proies, l'agresseur ne laisse rien au hasard. Ce personnage évoluait à l'intérieur des appartements dans le noir absolu avec une adresse stupéfiante. Rendez-vous compte, par exemple, que dans un des appartements d'une des victimes, il y avait un ensemble de clochettes de type japonais ou chinois à hauteur de sa tête. À aucun moment, il n'a été donné du front dans ce truc-là. En pleine nuit,
sans absolument rien voir dans le noir absolu, sans faire tinter à un seul instant les clochettes. Il fallait donc qu'il ait parfaitement mentalisé l'endroit où se trouvaient les clochettes en question. Ça ne peut s'entendre que par un travail de repérage. Pour le profileur psychologue, pourtant, quelque chose ne colle pas. Ce violeur ne fonctionne pas comme les autres. On pourrait penser qu'il pourrait torturer ou qu'il pourrait violer avec des perversions élaborées, avec des perversions entre guillemets riches, faire prendre aux victimes des positions humiliantes ou suggestives ou des choses comme ça. Pas du tout. C'est quelque chose de basique. C'est de l'amour à la papa. Et j'en déduis à ce moment-là que finalement le fond de la jouissance de cet homme, c'est cette prise de possession psychologique et effective de la victime, beaucoup plus que la satisfaction sexuelle qu'il peut en tirer. Quelques mois plus tard, le profileur rend son rapport. Grâce au témoignage des victimes et au dossier d'enquête qu'il a analysé, il fournit un profil. Ce que j'ai dit aux policiers, c'est la chose suivante. Nous avons affaire à quelqu'un d'intelligent. Nous avons affaire à quelqu'un de socialement bien adapté. Nous avons affaire à quelqu'un qui a probablement un emploi, mais qui lui permet d'avoir un emploi du temps, qui lui permet d'avoir des trous là-dedans dans lesquels il peut agir. Nous avons affaire à quelqu'un qui n'est pas dans le registre de la maladie mentale. Inutile d'aller le chercher dans le milieu de la psychiatrie ou dans les asiles ou dans les hôpitaux psychiatriques. Ce n'est pas là que vous trouverez sa trace. Par contre, nous avons affaire à quelqu'un qui, tout en étant normal sur le plan psychiatrique, a une pathologie psychologique qui est de l'ordre de la perversion. C'est un peu Monsieur Tout-le-Monde, pendant presque tout le temps, sauf dans deux moments, le moment où il traque et le moment où il passe à l'acte. C'est quand il est à l'affût, quand il épie ses proies, que le chat prend le plus de risques. C'est donc à ce moment-là que les policiers doivent le surprendre. Voilà ce que dit le profileur. À un moment donné de votre enquête, je ne sais pas si c'est vous d'ailleurs ou le juge d'instruction décide de faire appel à un profiler. Oui. C'est le tout début du profilage en France. Il s'agit, oui, tout à fait. C'est à la mode à l'époque. Vous êtes réticent un peu au départ ? Non, pas plus que ça. Au contraire, emballé ? Ça peut être un plus. Ça peut amener quelque chose d'intéressant à l'enquête. Donc, comme il s'agit de faits graves, c'est toujours intéressant de voir un peu ce que ça va donner. Alors, je ne me souviens plus très bien des termes exacts du rapport, mais en fait, ça corrobore un petit peu nos constatations et tout ce que nous avons dans le dossier. On est persuadé qu'on est sur la bonne voie. Vous avez quand même une empreinte ADN, donc vous avez le profil génétique du violeur. Oui. À aucun moment, vous ne pouvez le confronter à, je sais pas, un fichier de gens qui ont été condamnés pour des faits similaires non, parce que la région ? Absolument pas, parce que à ce moment-là, donc, il n'existe pas de fichier d'empreinte génétique. Parce qu'à un moment donné, il y a la tentation d'aller voir dans d'autres dossiers s'il n'y a pas des empreintes ADN pour comparer, évidemment. Bien sûr. Alors, mon chef de service me remet une note de synthèse de la gendarmerie nationale. Qui fait état donc de nombreux crimes et délits commis dans la région des Landes, dont un viol donc, qui a été perpétré à Sorce-Segor. Oui. Quand on lit ce message, on se rend compte que la manière d'opérer correspond un petit peu à celle de notre violeur. Un viol à Osgore, un viol qui porte la marque du chat. Osgore dans les Landes est une station balnéaire tranquille à 150 km au sud d'Arcachon. Même belle plage, même belle maison, même atmosphère reposante et calme. Le gendarme Jean-Philippe Chiradam vient d'être nommé à la brigade de recherche de Dax dont dépend Osgore et une affaire de viol classée aux archives retient son attention. Toutes les agressions sexuelles ou les viols que j'avais été amené à connaître sur ce secteur-là se commettaient en général ou dans des campings ou se voir sur la voie publique. Celui-là avait une particularité, c'est que c'était au domicile de quelqu'un. Et à mon avis, la procédure n'est pas faite dans les règles de l'art. Les faits remontent à 10 mois.
Le 30 octobre 1998, un homme s'introduit en pleine nuit dans la maison d'une femme seule. Il lui demande de l'argent et il la viole. Imaginez-vous, dans votre lit, dans votre sommeil, il y a quelqu'un qui vous tombe dessus. Qu'est-ce qu'il va vous faire ? C'est la nuit, vous ne savez pas ce qu'il a, s'il a une arme, s'il a une arme avec lui, s'il y a d'autres personnes avec lui, si vous ne savez rien, quoi, en fait. Et d'abord, j'ai essayé de parler, après, j'ai essayé plein de choses, parce que j'avais l'impression que cet homme était quelqu'un d'un peu fou, quoi, en fait. J'avais beau parler, ça ne donne rien. Enfin, moi, je me disais, j'ai mon enfant, il a 7 ans, comment je vais l'élever ? Enfin, qui c'est qui va l'élever ? Comment il va faire ? Je l'aime tellement, mon enfant, que... j'étais très malheureuse de ça, et puis cette peur énorme que j'avais de mourir, vraiment très, très... Dès le lendemain matin, Marie porte plainte à la gendarmerie, puis elle va à l'hôpital pour un prélèvement des taches de sperme laissées par le violeur. Les médecins lui disent que le prélèvement est exploitable. Mais quelques jours plus tard, à la gendarmerie, c'est un tout autre son de cloche. Un gendarme m'appelle en me disant de venir récupérer toutes les preuves qu'ils avaient prises dans la maison. Et là, il me dit, l'ADN, c'est négatif, on va clôturer l'affaire, il n'y a pas de... Ça n'a rien donné. Et là, je me suis sentie mal, parce que je me disais, mince, j'ai l'écho de l'hôpital qui me dit que c'est positif, j'ai cet homme qui me dit qu'on ne peut rien faire, et là, je me sens trahie, un peu abandonnée. Mais le gendarme s'est trompé. L'empreinte génétique retrouvée sur Marie est exploitable. C'est ce dossier que, 10 mois plus tard, Jean-Philippe Chéradame exhume des archives. Il a une intuition et il ne va plus lâcher prise. Au départ, c'est effectivement une intuition personnelle qu'on a affaire à un individu qui viole en série. Et la démarche est une démarche personnelle au départ. Fouillant encore et toujours les archives, Jean-Philippe Chéradame tombe sur 4 autres affaires similaires. Des tentatives de viol entre 1995 et 1998, toutes en pleine nuit, toutes au domicile des victimes. Toutes ces agressions se sont commises donc dans un secteur géographique bien déterminé, dans un créneau horaire bien déterminé, puisqu'il agissait toujours le samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche. Et sur le coup de 5h du matin, 5-6h du matin, et dans des maisons où il y avait de grandes baies vitrées, donc qui permettaient de l'extérieur, puisque les jardins étaient boisés, où il y avait des haies, d'observer depuis des maisons éclairées depuis l'intérieur. À partir de ce moment-là, le gendarme décide de rappeler une à une toutes les victimes. Je reçois cet appel et là, il me dit quand même qu'il veut reprendre l'enquête, qu'il avait retrouvé mon dossier qui avait été fermé, qui avait été clos et qu'il voulait le rouvrir parce que ça correspondait à d'autres cas qui avaient eu lieu aussi dans la région et a priori, ce serait la même personne qui aurait fait les agressions. Et donc là, je me dis, bon, quand même, je me sens mieux, soulagée. Je me dis, ça y est, en fait, enfin, on prend mon affaire en considération, on me prend moi en considération, en fait. Mais pour rouvrir les dossiers, il faut un fait nouveau. Et la chance va être du côté des gendarmes. En 99, un homme suspecté de viol est arrêté à Cabreton, tout près d'Osgore. Quelques semaines plus tard, une habitante d'Osgore retrouve chez elle un de ses propres pantalons maculés de sperme. Voilà des éléments nouveaux. Jean-Philippe Chéradame demande la comparaison génétique entre le sperme trouvé sur le pantalon et celui prélevé sur Marie et l'individu suspecté de viol arrêté à Cabreton. Quelques mois plus tard, la génétique disculpe le suspect. Mais tout de même, l'affaire est relancée. Le gendarme n'est pas prêt à lâcher. Il s'agit du même ADN sur le pantalon et sur le viol. À partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on a un individu qui, le samedi soir, rentre au domicile de femmes seules et effectivement tente de les agresser sexuellement. Il n'existe aucun signalement et on a quasiment aucun élément sur l'identité de cet individu.
Fin 99, le gendarme est contacté par la PJ de Bordeaux. Les policiers ont pris connaissance d'un rapport sur le violeur d'Osgore. Et si c'était le même que celui d'Arcachon ? Policiers et gendarmes comparent leurs enquêtes. Donc le violeur d'Osgore a le même mode opératoire que le vôtre ? Le même mode opératoire. Hmm. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On entend dans la foulée la personne qui a été violée à Sors-Osgore. Et les gendarmes des Landes ont eux aussi une empreinte génétique ? Ils ont une empreinte génétique, effectivement, de cette personne, de cette victime. Ah, vous allez enfin pouvoir confronter votre empreinte, celle que vous avez dans votre dossier, à celle-là. Tout à fait. On demande au juge de commettre un expert pour qu'il puisse comparer, en fait, les deux ADN. Hmm. Celui de Sors-Osgore avec celui du moulot. Le résultat ? Et le résultat, nous l'avons dans les mois qui suivent, c'est-à-dire qu'en décembre 2000, nous sommes informés qu'il s'agit du même auteur. Le même violeur sévit. Le même violeur sévit, à Arcachon et à Osgore. Le chat court depuis 13 ans. Il a fait 14 victimes à Arcachon. Alors la rumeur commence à se répandre dans le petit milieu des résidents du quartier chic, du Moulot. Tant qu'on disait ça arrive qu'aux autres, c'est humain, hein, c'est comme ça. Mais à partir du moment où on avait vraiment des visages à mettre sur ces agressions, on se disait, là, c'est plus qu'aux autres, ça peut m'arriver. Donc attention. Moi, je sais que j'avais peur. Je me disais que si je la ramène pas trop, parce que si tu le croises ou s'il est en face de toi, il va venir te régler ton compte. Le plus terrifiant, c'était de pouvoir se dire que cet homme arrivait pendant notre sommeil. Et toutes mes amies ont dit la même chose. C'est-à-dire qu'on n'avait pas peur d'être agressé le soir en rentrant du cinéma. C'était surtout la peur absolue, c'était la peur d'être réveillé par cet agresseur. Je fouillais ma maison tous les soirs, c'est-à-dire je regardais sous les lits, je regardais dans toutes les pièces. Et puis j'ai commencé par me mettre un couteau sous le lit, un marteau. L'ambiance est lourde à Arcachon. Le chat n'est pas réapparu depuis plus d'un an, mais tout le monde s'attend au pire. Depuis des années, il s'est jamais fait piquer, ce bonhomme. Il a jamais fait d'erreur quand il rentrait chez quelqu'un. Vous comprenez ? C'est ça qui était quand même troublant. Alors on se disait, comment se fait-il que depuis le temps, on ne puisse pas lui mettre la main dessus et le faire et le prendre ? On pouvait se dire, il est autour de nous. Il connaissait tellement bien le quartier. Il partait si vite, tout était. Et on se dit, c'est pas possible. C'est quelqu'un du Moulot. C'est quelqu'un qui est là, tout proche de nous. Peut-être que c'est le voisin. C'est peut-être le mari d'une amie, ça aurait pu être. Donc on faisait attention à tout et on ne faisait confiance. Moi, je ne faisais confiance à personne. C'est dans ce contexte que survient une 15e agression, à Arcachon, le 2 décembre 2000. Une jeune fille de 21 ans dort seule dans sa maison de vacances. L'agresseur repère sa voiture garée devant la villa. Il grimpe sur un pylône et coupe l'alimentation électrique. Dans l'obscurité, il s'engage sans un bruit dans la courette et il ouvre la porte d'entrée en cassant un carreau. Elle s'était endormie avec la télévision qui marchait et à 4h du matin, je crois, elle a vu une personne dans l'encadrement de la porte de la chambre et qui s'est fait passer pour un cambrioleur. Quand elle a compris que c'était le violeur de Moulot, elle m'a dit, dans ces cas-là, on puise une force incroyable. Donc elle s'est débattue avec beaucoup de courage. Elle s'est dit, c'est un minable qui ne me violera pas. Elle a crié et il a fini par partir. Le chat a pris la fuite. Mais à Arcachon, l'agression d'une jeune fille de 21 ans choque toute la population.
L'agression sur la petite Claire, ça a été la révolte vraiment, parce que c'était notre petite fille. On l'avait vue grandir, on l'avait vue naître quasiment, elle avait l'âge de nos enfants. Donc si vous voulez, ça, je crois que tout le monde a commencé à vraiment à bouger, la police y compris, à ce moment-là. Être à 60 km du lieu où se passent les choses, venir comme dans le cas de ma fille, 3 jours après pour prendre des empreintes, moi je trouvais effectivement que c'était un peu léger pour une affaire qui préoccupait autant de gens depuis 15 ans. Pourtant, la police ne néglige rien. Elle fait du porte-à-porte et demande aux commerçants de repérer des individus suspects pour les soumettre ensuite à des prélèvements génétiques. Pour leur sécurité, les femmes seules sont invitées à faire attention aux moindres détails. Si par exemple, les femmes qui étendaient leur linge, si quelque chose avait disparu, s'il fallait remarquer si une chaise avait bougé. Donc là, vraiment, ça a été... chaque jour, il fallait vraiment faire très 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 attention. On avait toutes notre portable à portée de main avec le numéro du commissariat branché sur... c'était le numéro 1, quoi. Enfin, moi, je sais que j'avais mis ça sur mon portable et j'avais plus qu'à appuyer pour appeler si. Parce qu'on savait qu'on allait se retrouver sans lumière, sans téléphone et sans rien, quoi. La police a beau multiplier les interrogatoires et les prélèvements ADN, rien n'y fait. Aucun résultat. Déjà, la plupart des commerçants, des pêcheurs et des postiers du quartier du Moulon ont été soumis à un prélèvement génétique. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un suspect ne soit testé, comme ce voyeur, filmé par la vidéosurveillance d'une grande surface d'Arcachon, surpris en train de regarder sous les vêtements d'une jeune femme avec un miroir de poche. Mais la police ne fait qu'aller de fausses pistes en fausses pistes. Et en mars 2001, c'est l'escalade. Au cours d'une même nuit, deux femmes sont agressées par le violeur. C'est alors qu'un soir, les policiers reçoivent un coup de fil. Cette fois-ci, ils en sont certains. Ils tiennent le chat. En 2001, on recense 17 victimes du chat à Arcachon. Il y a une certaine panique dans la population, et notamment chez les femmes qui vivent seules. Et à un moment donné, une fois de plus, vous pensez l'avoir identifié. C'est un riverain du Pilat. Qui appelle le commissariat pour nous signaler la présence d'un individu qui a une attitude suspecte. En fait, il est en train de se masturber à proximité d'une jeune femme près de la plage. Et l'individu est interpellé. Et là, au commissariat, pendant les vérifications, il réussit à prendre la fuite par la fenêtre par une fenêtre du commissariat. Mais vous savez qui c'est, je veux dire Il vous a montré ses papiers et... Il nous avait donné donc un nom et une adresse. Et lorsqu'il a pris la fuite, on s'est tout de suite rendu compte qu'en fait, il avait donné une fausse identité. Mmh. Et comme il avait une blessure que nous avions constatée, apparemment une opération récente, on pensait que si on allait voir le milieu médical, kiné, pharmacien, etc., qui plus est, on avait fait établir de cet individu donc un portrait robot. On s'est dit qu'on pouvait l'identifier. Et nous avons fait carrément du porte-à-porte. Et là, il y a un kiné qui a reconnu son client. Nous sommes allés l'interpeller. Là aussi, grosse déception, puisque l'ADN n'était pas bon. Ça n'était pas le chat. C'était pas le chat. Ce qu'on voit dans cette affaire, en règle générale, c'est que vous avez... suspecté pas mal de gens, mais vous les avez toujours disculpés grâce à l'ADN. Mais oui, bien sûr. Et heureusement que l'ADN était là. Pour les disculper. Pour les disculper. Car sur certains cas, je pense qu'on aurait pu se poser des questions. On est en 2001, et à cette époque-là, le chat a fait 17 victimes à Arcachon et 10 à Osgore. Et il n'y a toujours aucune piste. Les enquêtes sont toujours séparées, menées par deux juges d'instruction différents. C'est alors qu'à Osgore, un témoin, un retraité, remarque en pleine journée un homme au volant d'une fourgonnette blanche. Un homme
au comportement bizarre. Alors, nous avons remarqué un fourgon, un peu comme celui du bas, qui est passé très souvent dans la rue. Et il est passé jusqu'à 4 fois, aller-retour, en se penchant vers la villa qui est en face. Et il regardait, il était toujours penché, il regardait quelque chose. Et quelques jours plus tard, début juin 2001, l'homme se gare juste devant la maison du témoin. Il sort de la fourgonnette et descend la rue à pied. Ma femme me dit, va voir ce qu'il fait. Je suis descendu, il n'y avait personne dans le camion. J'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu des dossiers de travaux. Le témoin veut en savoir plus. Alors il essaye de rattraper le rôdeur. Voilà, j'arrive donc au transformateur. Je le dépasse légèrement. Et je regardais où il pouvait être. Il pouvait être dans une maison, n'importe. Je le vois arriver de l'impasse où il y a la poubelle. Il sortait de là. Et lui, m'ayant repéré, retraverse le jardin public, reprend la rue, va jusqu'à son camion et il prend un dossier de son camion, il redescend, il arrive ici au transformateur et il ouvre la porte. Et l'après-midi, quand même, ça travaillait, j'ai appelé le DF de Cabretons pour savoir si quelqu'un travaillait dans ce transformateur. Ils m'ont dit que non, de m'adresser à Dax. Je me suis adressé à Dax. Ils m'ont dit que non. À Mont-de-Marsan, ils m'ont dit que non. Et même mieux, à Mont-de-Marsan, il m'a dit que personne travaillait, que personne ne pouvait rentrer dans le transformateur. J'ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que personne ne doit avoir les clés. Sachant quand même que c'était une personne qui me paraissait bizarre, j'ai appelé la gendarmerie. Et la gendarmerie, je leur ai signalé en leur donnant le numéro d'immatriculation, la marque du fourgon, et je leur ai dit, voilà, ça paraît quand même bizarre qu'une personne comme ça passe plusieurs fois à petite allure. Ce n'est pas pour prendre la rue normalement, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Que vous ont-ils répondu ? Mais qu'ils allaient s'en occuper. Mais sans plus, ils n'ont rien fait d'autre. Ce renseignement s'est un peu perdu. C'est perdu dans les méandres de la multitude des services. Le violeur en série a déjà fait 9 victimes à Osgore quand, dans la nuit du 23 au 24 juin 2001, une nouvelle agression a lieu dans cette maison. On a donc été appelé pour l'agression d'une jeune demoiselle et au cours de son audition, on a entendu la maman, et bien on s'est rendu compte donc qu'elle-même a été victime dans les mêmes conditions, dans la même maison, 5 ans avant, manifestement du même individu. Et donc et bien on a donc dû instruire 2 procédures distinctes pour 2 faits différents concernant la mère et la fille. Et dans la maison d'en face, une femme a aussi été agressée quelques années plus tôt. 3 agressions au même carrefour en 5 ans. Le secteur devient intéressant. Donc on a mis en place un certain nombre de surveillances de nuit et c'est vrai qu'on a utilisé un peu le mobilier urbain pour se dissimuler comme des poubelles, de façon à faire comme lui et donc se fondre dans le paysage et puis observer les gens qui passent. Mais ses plans restent vaines. 15 jours plus tard, une 11e agression a lieu dans les mêmes conditions. Cette fois, la gendarmerie décide de frapper fort. Elle met en place la cellule Viol 40. Dorénavant, à Osgore, une 10aine de gendarmes n'a plus qu'une seule mission. Arrêter le violeur. Le 1er août, un fait nouveau alerte les enquêteurs. La victime arrive en marchant sur cette promenade qui est ici et arrive juste devant le domicile de chez ses parents où donc elle se rend pour dormir.
Et à ce moment-là, l'individu lui saute dessus. Ça va tellement vite que tout ce que j'ai cru que c'était quelqu'un qui voulait me tuer. Ça m'a paru une éternité d'aller chercher mon souffle pour pouvoir crier, et pas crier bêtement, mais rassembler mes idées et crier « Maman ». Après, il est parti, j'ai eu qu'une envie, c'est moi de le tuer. J'aurais pas eu deux enfants, je le courais après et je l'aurais agressé. C'est la première fois que le violeur attaque une femme sur la voie publique. Pourtant, les enquêteurs rattachent cette agression au dossier. Pour eux, pas de doute, la victime est tombée sur le chat en plein repérage. Important, à 6 heures du matin, à la lumière de l'aube, elle a pu entrevoir son visage. Le seul souvenir que j'avais qui reste encore présent, c'était qu'il avait un regard très bleu. J'ai dit qu'il avait le visage d'un diable aux yeux bleus et que... Et qu'il avait des pics sur la tête, comme s'il avait mis du gel et qu'il s'était fait une coiffure avec des pics. Les agressions se multiplient à Ousgore. 3 en moins de 6 semaines. Et puis une autre fin août. Puis une 14e début septembre. En octobre, il s'attaque à une femme de 78 ans. Le chat frappe à un rythme de plus en plus alarmant. L'inquiétude, je crois qu'elle était tout à fait légitime des forces de l'ordre, c'était que un jour on est un malheur. Parce qu'un individu qui rentre de nuit chez quelqu'un, on peut avoir une très mauvaise réaction d'une victime et puis on peut avoir un malheur. À Arcachon aussi, le rythme s'accélère. 3 agressions en 6 mois en 2001, plus un viol à Biarritz, on est à 40 km au sud d'Osgore, très vite attribué lui aussi au chat. À ce moment-là, grâce à l'ADN, les juges d'instruction de Dax et de Bordeaux savent que le violeur d'Arcachon et celui d'Osgore sont la même personne. Mais ça n'est pas l'ADN, c'est le hasard qui, en janvier 2002, va permettre aux gendarmes d'identifier le chat. Un homme pousse la porte de la gendarmerie de Seignos, tout près d'Osgore. Il déclare que sa résidence secondaire a été fracturée. Bizarre, on ne lui a presque rien volé. Cette personne dit que c'était curieux, que le préjudice était très réduit, puisqu'il n'y avait qu'un portrait de sa sœur qui avait été retiré du cadre et volé. Et que heureusement qu'elle n'était pas au courant parce qu'elle aurait été très effrayée dans la mesure où elle avait été déjà victime d'agressions sexuelles de nombreuses années auparavant. Le gendarme contacte immédiatement la sœur. Elle lui raconte que jeune fille, elle a subi une agression sexuelle. C'était en 82, 20 ans plus tôt, un jour de pluie. L'agresseur était à peine plus âgé qu'elle. Il avait une cagoule et il m'a poussée dans la voiture. En me disant qu'il avait fait un mauvais coup sur un chantier et qu'il, en fait, il avait volé de l'argent, qu'il fallait qu'il parte au plus vite. Et il a pris le volant et au bout de 5 minutes, il s'est arrêté au bord d'un chemin forestier. Il est parti dans le chemin forestier et il m'a lié les mains dans le dos. Lorsque l'on est rentré dans la forêt, là, je me suis dit, bon, c'est bon, là, tu vas au bout de la forêt. Je dis, là, les mains attachées dans le dos, je veux dire, il était toujours cagoulé. On voyait une personne qui était en transe. En transe, pas dans son état normal. Donc, je me suis dit, là, au bout du chemin, oui, c'est la mort. Et là, je discutais, je lui disais, mais pourquoi tu fais tout ceci? Je lui disais, mais pourquoi ta mère, tu l'aimes? Tu as des problèmes de famille? Puis il a fini par me dire, mais t'es une fille bizarre, toi, t'es vraiment une fille bizarre. Au bout d'une heure, j'ai parlementé avec lui pendant une heure, j'ai tout fait. Je lui dis, bon, il pouvait m'embrasser, faire tout ce que... Tout ce qu'il voulait, ça m'était complètement égal. Je voulais vraiment sauver ma vie, quoi. Et j'ai réussi à le mettre en confiance et il m'a détachée. J'ai réussi à reprendre ma voiture. On a réussi à sortir de la forêt.
Et là, je l'ai ramené et il m'a dit au revoir, comme si de rien n'était. Je suis repartie. À l'époque, en 82, la jeune fille porte plainte à la gendarmerie. Et le lendemain, l'agresseur, arrêté, reconnaît les faits. Il avoue même deux autres agressions. Si cet homme a tenté de violer la jeune Laure en 1982, c'est peut-être lui qui est revenu 20 ans après pour voler sa photo, par fétichisme. Et si c'est lui, alors c'est peut-être le chat. Dominique, qui est cet homme qui vient d'être arrêté pour 3 agressions sexuelles ? C'est lui, Christophe. Il s'appelle Roland Cazot. Il a 24 ans. Il travaille sur des chantiers de la région. Il est soudeur. Et au moment de son interpellation, il n'est pas connu des services de police ni de gendarmerie. Il reconnaît les faits dans l'agression de la jeune Laure, mais surtout, il va avouer 2 autres affaires. Alors, pour ces 3 affaires, Cazot va être jugé par le tribunal correctionnel de Dax pour des attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise. Il est condamné à 1 an de prison, dont 3 mois ferme et 3 ans de mise à l'épreuve. Alors, on va le montrer à des psychiatres. 2 psychiatres de l'hôpital Sainte-Anne de Mont-de-Marsan qui vont dire de lui la chose suivante. Il présente des traits incontestables de déséquilibre psychique, des troubles sérieux de la sexualité. On peut, disent-ils à propos de Roland Cazot, envisager une perte toujours possible du contrôle pulsionnel. Et ces 2 médecins préconisent une prise en charge peut-être chimio, mais surtout psychothérapique. Et cette psychothérapie, il ne la suivra jamais. Mais alors comment se fait-il que, alors qu'ils recherchent le violeur d'Osgore, les gendarmes, quand ils font le tour de tous les délinquants sexuels de la région, ne vont pas interroger Roland Cazot, qui est récidiviste ? Pour une raison toute bête, c'est parce qu'à l'époque, ils ne font pas le rapprochement. Parce que le dossier Cazot, qu'ils avaient, ce dossier des attentats à la pudeur, eh bien, il a été classé. Mais comme à l'époque, on ne dispose pas de système informatique, classé, ça veut dire archivé dans une armoire, ça veut dire oublié. Et c'est pour ça qu'on ne va pas faire le rapprochement entre Cazot, les attentats à la pudeur de 80 et de 82, et ce violeur en série qui sévit dans la région d'Osgore. Dernier point, Christophe, aujourd'hui, ça se passerait complètement différemment. Parce qu'il existe un fichier national des délinquants sexuels, on y aurait référencé Roland Cazot et les gendarmes seraient immédiatement venus l'interroger. Le 31 janvier 2002, Sud-Ouest publie un grand article sur la série de viols. Un article doublé d'un appel à témoins. Le retraité Dominique Terrière lit cet article et rappelle la gendarmerie 8 mois après son premier coup de fil. Cette fois-ci, les enquêteurs prennent au sérieux la piste de l'homme à la fourgonnette blanche. Et à partir de là, on commence à faire toutes les réquisitions nécessaires, toutes les investigations pour identifier le conducteur de ce véhicule, bien évidemment. On contacte l'entreprise, on lui demande de nous communiquer l'identité de l'individu qui était au volant au moment qui nous intéresse. Et voilà, une deuxième fois, on retombe sur le Roland Cazot. Là, il devient extrêmement intéressant. Roland Cazot a maintenant 43 ans. Et les gendarmes apprennent qu'il est devenu chef de chantier pour l'entreprise des Chantiers d'Aquitaine. Son emploi du temps est compatible avec toutes les agressions, celles d'Arcachon comme celles d'Osgore. Simple coïncidence ? Le 20 février 2002, les gendarmes décident de l'interpeller. À 6h du matin, ils arrivent à Saint-Jour-de-Marenne, un bourg à 20 km d'Osgore. Ils viennent cueillir Roland Cazot chez lui, dans la maison familiale où il vit avec sa femme et ses 2 fils. Le gendarme Anthony Lévesque participe à l'arrestation. On lui explique simplement que nous avons besoin de recueillir son ADN. S'il y consent, c'est ce que nous allons faire. Et que de toute façon, nous aurons la réponse dans la journée. Et qu'à partir de là, s'il n'est pas concerné, il repartira comme il est venu. Et il accepte. Moi, je me suis dit, s'il avait vraiment quelque chose à se reprocher, à mon avis, il serait beaucoup plus retors. Ce n'était pas le cas. Donc, j'étais très dubitatif. Au départ, je me suis dit, allez, on se plante une fois de plus. Et en attendant les résultats ADN, Roland Cazot est placé en garde à vue. L'interrogatoire commence. Pendant 10 heures, Cazot tient le coup et nie tout en bloc. À 16 heures, les résultats du laboratoire tombent.
l'ADN a parlé. Le chat s'appelle Roland Cazot. L'information m'a été donnée par signe, donc il ne pouvait pas entendre. Et je lui ai dit, bah, écoutez, monsieur Cazot, je crois que nous allons devoir aller faire une perquisition chez vous. Et à partir de là, il a tout de suite compris. Et instantanément, il a décompensé. Il s'est effondré, il s'est mis à sangloter. Et là, il nous a dit, bon, voilà, je reconnais, je m'explique. À 17h, les gendarmes repartent à Saint-Jour-de-Marennes pour la perquisition. Ben là, on a assisté à ce que tout enquêteur craint, c'est l'arrivée de l'épouse, qui d'un seul coup se trouve avec une dizaine de gendarmes chez elle et qui apprend que son mari est susceptible d'être l'auteur d'agressions en série. Elle savait rien. Elle savait rien et il a fallu lui apprendre en 10 secondes 10 ans ou 15 ans de l'activité de son mari. Dans la maison de Cazot, les gendarmes trouvent des cordes, un stock de clés, des passes, tout un équipement pour s'introduire sans effraction dans les maisons. De retour à la gendarmerie, l'interrogatoire reprend. Et c'est sans difficulté que Cazot se met à table. L'interrogatoire a été une période très, très éprouvante pour tout le monde. Parce qu'on avait affaire à un individu qui désirait parler et qui avait beaucoup de choses à raconter. Comment est-ce qu'il se comporte ? Il avait une mémoire phénoménale. Il a tout de suite très très bien collaboré à l'enquête. Et il se souvenait pratiquement de tous les faits qu'il avait pu commettre depuis 87. Il se souvient de quoi ? C'est ça qui est intéressant. De quel moment de l'agression ? Ben, il se souvient qu'il a surveillé ses victimes. Il nous explique comment il opérait, comment il attachait donc les jeunes femmes avant de les violer. Il était capable de nous dire s'il les avait violées ou s'il avait pratiqué des attouchements ou s'il leur avait demandé une fellation. Ça vous laisse quelle impression, ça ? Mais de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Hein. Vous avez l'impression qu'il est soulagé de vous balancer tout ça ? C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'il était pris comme ça depuis son enfance, qu'il était pris de pulsions et qu'il en souffrait. Ça n'a pas empêché, en 1982, lorsqu'il a été mis en examen pour des faits d'agression sexuelle, de recommencer dans les années qui suivaient. L'homme qui cache son visage est le principal suspect dans l'affaire des agressions sexuelles en série commises sur la commune d'Ossegor. Interpellé aux aurores hier matin à son domicile de Saint-Jour-de-Marennes, le violeur présumé a été déféré cet après-midi au tribunal de grande instance de Dax, peu après 15 heures. Savoir que le violeur a enfin été arrêté, je me dis ça y est, je vais pouvoir dormir. C'est sûr que j'étais soulagée parce que vraiment là, il n'était plus en liberté, il ne pouvait plus me faire de mal quoi, en fait. Et je pouvais normalement avoir moins peur dans ma vie. J'ai quand même continué à fermer ma porte de chambre. J'ai enlevé les couteaux et les marteaux progressivement et je sais que mes amis ont fait pareil. Dans l'entourage de Cazot, c'est la stupeur. Ses parents, ses amis, même ceux qui connaissaient ses antécédents sont sous le choc. Quand je l'ai aperçu, je veux dire, j'ai pas eu besoin de voir son visage. Je dis oui, mais oui, c'est lui, voilà. L'histoire l'a rattrapé. Et j'en ai été choqué. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on soit passé au travers et que de tout ce temps, il soit resté avec ça, alors qu'on était tous persuadés, enfin tous, moi du moins, qu'il était sorti de ça. Roland Cazot joue bien son jeu. Il n'a ni le profil, ni la tête de l'emploi. Et quand il n'est pas en chasse, difficile de deviner chez lui le prédateur. Roland Cazot, c'est monsieur tout le monde. C'est quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, qui travaille, qui a une famille sur le coin. C'est quelqu'un que vous croisez dans la rue et qui n'attire pas particulièrement votre attention.
plutôt beau garçon, assez aimable, souriant, calme. C'est exactement la personne qu'on cherchait, qu'on ne trouvait pas, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Le 22 février 2002, Cazot est déféré devant le juge de Bordeaux. Françoise Gambacizé récupère les deux instructions, celle d'Arcachon et celle d'Osgore. Et ce qui frappe la juge, c'est la précocité des déviances du violeur. Très jeune, dès l'âge de 5 ans, M. Cazot va commencer à chasser. Il le dit lui-même. Il va commencer à rentrer dans la vie intime de ses victimes. Et cela n'ira que crescendo. Pour monter en puissance, à 12 ans, il fabrique un trousseau de clés, des passes, pour rentrer dans des habitations et épier des femmes. Et ces mêmes clés seront utilisées par la suite dans tous les faits commis dans mon dossier. Roland Cazot est né en septembre 58, à Dax. Il a grandi avec son frère et sa sœur dans la ferme familiale à Saint-Jour-de-Marenne. Il est le plus jeune des enfants et ses parents n'ont pas beaucoup de temps à lui consacrer. Il reçoit une éducation stricte, rigide, pudique, qui laisse peu de place aux états d'âme. Enfant déjà voyeur, il se cache pour observer sa mère et sa sœur nues. Adolescent, il est surpris en train de se masturber dans la lingerie d'une voisine et revient à la ferme entre deux gendarmes. Roland Cazot fait ses études au lycée professionnel de Dax pour devenir soudeur. Très bon ouvrier, il est apprécié de ses employeurs. Et malgré sa condamnation en 83 pour l'agression de Laure, il retrouve vite du travail, monte les échelons et devient chef de chantier. Ses nombreux amis le décrivent comme un garçon gai, fêtard et sympa. Apparemment sans aucun problème avec les femmes. Il avait du succès auprès des femmes, à tel point qu'on aurait pu en être jaloux parce qu'il avait tout pour lui, cet homme-là. Il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait, il aurait pu avoir toutes les femmes qu'il voulait, évidemment, sans avoir besoin de les agresser ou de les manipuler. Roland Cazot se marie en 96 avec la mère de ses deux enfants. Et aux yeux de tous, c'est un homme comblé et équilibré. Roland est l'ami, à mon avis, que sans doute tout homme rêve d'avoir. Comme il pouvait être le père que chaque enfant rêve d'avoir, ou le mari que toute femme rêve d'avoir, quoi. Mais dans son bureau, la juge a devant elle l'autre Roland Cazot, l'homme qui se cache depuis 20 ans et qui a avoué 16 viols et 20 tentatives. Je vois un homme absolument effondré, qui n'arrête pas de pleurer et qui pleurera pendant la durée des 5 interrogatoires que je pratiquerai avec lui, que j'aurai avec lui. J'avais le sentiment qu'il s'appesantissait sur sa personne. Et j'aurais aimé peut-être qu'il évoque un peu plus les victimes et le traumatisme qu'elles avaient pu subir. La juge est aussi étonnée par sa mémoire phénoménale. Ça dénote un trait de personnalité tout à fait impressionnant. Je ne dirais pas effrayant, impressionnant. Et on a l'impression que le souvenir de l'agression fait partie du plaisir de l'agression elle-même. C'est-à-dire qu'il se raconte à nouveau le film en permanence. Heureusement qu'on l'avait arrêté, parce que la souffrance était telle, le besoin de chasse était tel, qu'il, je pense, ne maîtrisait plus rien. Voilà. Et que le fait de l'interpeller permettait d'arrêter un processus. Processus, il ne savait plus où il allait. Docteur Chanceau, vous êtes expert psychiatre et vous avez rencontré Roland Cazot à de nombreuses reprises. Est-ce qu'il vous dit que pendant ces années de double vie, ces années de mensonges, ces années de viol, il a souffert? Il parle de deux choses. D'abord, de la pression, du besoin d'engager la traque, comme il dit. C'est-à-dire, le premier mouvement, ça n'est pas « je vais trouver une femme pour la violer ».
c'était l'érotisme, l'excitation, c'était la traque, c'est-à-dire rentrer, mais d'une façon extrêmement bouleversante, dans l'intimité de ces femmes à leur insu. C'est ça qui l'excitait avant tout. Totalement. Quand il avait complètement fait le tour de cette personnalité, son fantasme était de s'introduire dans la maison, de s'approcher au plus près de ces femmes, qui devaient schématiquement être des femmes supposées mariées, de bonne conduite, belles de préférence, belles femmes, et avec une poitrine suffisante pour affirmer qu'elles étaient des femmes, et pas trop grosses pour ne pas être effrayantes. Et là, son rêve, c'était son fantasme, et qui devient réalité, c'était saisir les seins de ces femmes, mais presque en imaginant ne pas les réveiller. Obtenir peu à peu un acquiescement de cette femme que tout en elle forçait à ne pas accepter, des femmes de bonne vie, sérieuses, mariées, et par sa seule présence, provoquer le désir de lui par cette femme. Le procès s'ouvre le 28 novembre 2005. La salle d'audience est pleine à craquer. Il y a là les avocats de la défense et ceux des 28 victimes qui se sont portées partie civile. Aucune d'entre elles n'a encore vu le visage de Roland Cazot, le visage du chat. Toutes ces femmes qui le découvrent pour la première fois, qui le voient pour la première fois, sont muettes, et elles restent très impressionnées. Il ne les regarde pas du tout. Il évite leur regard, il n'est pas là. C'est un homme un peu abattu, qui essaye donc de se faire pas pardonner, enfin d'excuser, il baissait chaque fois un peu la tête, il était comme ça. Et à un moment donné, une victime parlait, et là je l'ai vu, c'est difficile à dire, c'est une impression quand même, son regard est devenu franc, dur, presque haineux, je veux dire, et ça, ce regard, j'avais une amie qui m'accompagnait, je dis, regarde comment il est. Et c'est vrai que là, c'était le vrai Roland Cazot. Il a eu du mal à les regarder pendant leurs auditions, parce que c'était parfois difficile pour tout le monde. Ça a été parfois insoutenable, l'audition de certaines victimes. Mais ça lui a permis d'entendre, pour l'une d'elles, que son mari était parti, parce que sa vie n'avait plus jamais été la même après. Pour d'autres, qu'elle ne faisait jamais nuit des nuits complètes. Pour la suivante, que s'en est découlé ensuite une série de maladies probablement liées à un psychisme faible. Mais tout ça, il n'avait pas forcément imaginé. Et ça lui vient en pleine figure pendant l'audience. Roland Cazot reste de marbre, sauf au moment où sa femme vient à la barre. Son témoignage est poignant et touche tout l'auditoire. Voilà une femme qui croyait avoir épousé un homme, un mari aimant, des enfants, une vie de famille normale, et qui s'aperçoit qu'elle a épousé en quelque sorte un monstre, un pervers qui, même dès le mariage, dès l'année 1996, ma cliente a été victime en 1996 et c'est la date de son mariage. Je me souviens des derniers mots qu'elle lui adressait. Elle s'est retournée vers lui, elle lui a dit « Roland, tu as brisé ma vie et la vie de tes enfants ». Il n'y avait pas d'agressivité, c'était plutôt une personne qui était totalement accablée et qui ne comprend pas la personnalité de son mari. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer qu'elle soit passée à côté, mais elle est passée à côté. Elle avait l'air, alors elle, complètement sincère dans son témoignage. Au témoignage de la femme de Cazot succède celui de sa mère. À son arrivée, l'auditoire est stupéfait. Cette femme a une attitude, une façon de se tenir, légèrement voûtée, avec
un espèce de petit air pincé. Elle regarde son fils sur le côté. Elle parle de lui en disant « le pauvre petit n'a rien fait ». C'est ahurissant. Il a dit qu'il a souffert d'un amour que vous ne lui avez pas donné. Eh bien oui, sans doute. Pourquoi il ne me l'a pas parlé ? C'est drôle ça, oui. Je ne me rendais pas compte que c'est sûr. Vous aviez trop de travail vous-même ? Oui, on avait beaucoup de travail, c'est sûr. Tiens, je pensais qu'à ça, au travail, et mes pauvres petits. Pourtant, je ne l'ai pas délaissé, oh, mais non. Je m'occupais de lui, il ne manquait de rien. Roland Cazot, c'est le cas, il n'a jamais eu d'amour, elle ne l'a jamais serré dans ses bras. Et qui plus est, quand il y avait des choses de la vie quotidienne qui se passaient, à chaque fois c'était le souffre-douleur, Roland Cazot. C'est-à-dire, quand Roland Cazot venait à l'énerver, il fallait à ce moment-là qu'elle le frappe. Mais elle le frappait avec un martinet jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de force dans les bras. Mais la surprise est à son comble dans le prétoire quand, rappelée à la barre par le président, la mère raconte une anecdote sur le chien de la famille. Elle nous dit « Comme il courait après les chiennes, j'ai pensé que le plus simple, c'était de les masculer. » Nous étions sidérés. Alors, nous dit-elle, je l'ai attaché, j'ai pris un couteau. Elle avait l'habitude de le faire avec les canards et les poulets. Comme ça se passe mal avec ce chien, elle finit par l'enrouler dans une couverture, l'emmener chez le vétérinaire. Enfin, c'est un moment, enfin, c'est incroyable cette histoire. Castrer un chien devant des enfants ou corriger son fils jusqu'à épuisement, pour la vieille dame, rien de plus banal. L'auditoire découvre effaré l'univers de violence dans lequel Cazot a été élevé. Je lui ai posé la question très simplement, je lui ai dit « Monsieur Cazot, pour vous, la violence, c'est quoi ?» Et il a fait semblant de secouer quelqu'un, une personne. Et la violence, pour lui, c'était ça. C'était quelque chose de très physique, très physique. Donc, on peut secouer quelqu'un, ça c'est physique, c'est de la violence. Et je lui ai dit « Et est-ce que violer, est-ce que c'est un acte de violence ?» Il a réfléchi. Et il m'a dit non. C'est ça qui est surprenant. Pour être clair, le rapport d'amour qu'il a eu avec sa mère a brisé tous ses repères affectifs. Alors, dans ce couple parental, il y avait cette mère forcenée qui va développer contre lui, dit-il, des comportements énigmatiques, angoissants, voire terrorisants. Elle le tapait, dit-il, mais également elle avait une espèce de propension à agir d'une manière très crue, très sadique. Au cours d'une chute, il s'était blessé le cuir chevelu. Sa mère impose à son père et à son grand-père paternel, tous les deux silencieux, de le tenir, lui, petit, pour ne plus qu'il, de l'enserrer, de le contenir, de le ligaturer, et elle lui pose des agrafes accrues sur cette plaie. Et garde ce souvenir absolument terrifiant. Qu'est-ce qu'il souhaitait dire, lui, au psychiatre qui venait le voir ? Oui. Plusieurs choses. L'une, d'abord qu'il avait été abandonné. Abandonné dans l'amour par sa mère. Interdit d'avoir l'amour de son père, mais il va parler de son père. Et il dit, mon père, il m'a appris la perfection dans le travail. Il était soigneux, il avait le respect des arbres, il avait le respect des animaux. Et il le dira d'ailleurs de façon tragique, il dira « J'ai retrouvé les qualités de mon père, y compris dans mes délits, tellement j'étais méticuleux dans l'organisation de mes crimes. » Après les plaidoiries des parties civiles, c'est à l'avocat général de prononcer son réquisitoire. Il réclame la peine la plus lourde que la cour puisse prononcer. 15 ans de prison ferme. Dans la salle, c'est le malaise. C'est vrai, Dominique, que 15 ans de prison pour 36 victimes, ça paraît pas cher payé, mais il n'est jugé que pour viol simple et pas pour viol aggravé. C'est quoi la différence ? Déjà, Christophe, 15 ans de prison pour 36 viols, ça fait 5 mois de prison par viol. C'est effectivement pas très cher payé.
La différence entre le viol simple et le viol aggravé, c'est la notion de circonstance aggravante. Si l'auteur utilise une arme et menace sa victime, c'est une circonstance aggravante, c'est un viol aggravé. Si sa victime est mineure, c'est un viol aggravé. Si sa victime est enceinte, c'est un viol aggravé. Or, dans le cas de Roland Cazot, il n'a menacé aucune de ses victimes avec une arme. Il n'a pas violé de mineure, puisque la plus jeune de ses victimes avait 19 ans. Il a violé une femme enceinte, on le saura par la suite, sauf que cette femme, elle ignorait elle-même qu'elle était enceinte au moment où elle a été violée. Et puis c'est un récidiviste. Il est déjà connu des services de police. Ça devrait être une circonstance aggravante, ça. Christophe, ça n'est pas un récidiviste aux yeux de la loi. Il a été jugé et condamné pour des attentats à la pudeur. Il va être jugé pour une série de viols par une cour d'assises cette fois-ci. Mais la justice fait bien la différence. C'est-à-dire qu'aux yeux de la loi, des attentats à la pudeur, des viols, c'est complètement différent. Ce sont deux choses différentes. Il n'y a pas de récidive possible. Donc, Dominique, en France, la multiplication des agressions coûte le même prix qu'une seule agression. Non, ça coûtait la même chose. C'est-à-dire qu'au moment où Roland Cazot est jugé, novembre-décembre 2005, il y a effectivement un vide juridique. Il est jugé pour une série de viols simples, hein, comme on l'a vu. Et la peine maximale encourue, elle est de 15 ans. Or, ironie du sort, au moment exactement où Cazot est jugé, le 12 décembre 2005, une loi est votée qui concerne la récidive dans les infractions pénales. Et cette loi dit que le viol en série est une circonstance aggravante. Et la peine maximale, là, elle passe à 20 ans. Or, Cazot, c'est bien un violeur en série. Mais comme la loi n'est pas rétroactive, eh bien, la peine maximale encourue par lui, elle est de 15 ans, pas plus. Après 8 heures de délibéré, le verdict tombe. 14 ans de réclusion criminelle, dont 10 ans incompressibles. Les victimes ne protestent pas, comme figées par l'incompréhension. Malgré le vide juridique, malgré le nombre de victimes, la cour n'a pas prononcé la peine maximale. Moi, j'étais un petit peu dans le questionnement de pourquoi 14 ans et pas 15. Voilà, comme se sont posées d'ailleurs, je crois, beaucoup de victimes. Chaque femme, chaque de valait presque 14 ans. Je veux dire, c'était pour moi trop peu. 15 ans symboliquement, 14 ans, c'est pas grand-chose. C'est un message qui est donné à Roland Cazot. La cour d'assises vous a entendu. Une sorte de contrat moral peut-être qui est passé. Faites attention. Ne nous mentez pas. Vous nous avez dit que vous vouliez vous soigner, soignez-vous. Vous nous avez dit que vous vouliez en terminer avec tout ça. Montrez-nous que nous n'avons pas à vous revoir un jour devant une juridiction quelle qu'elle soit. J'ai pas besoin de le pardonner, j'ai pas de haine. J'ai pas de haine. Mais j'ai peur pour la société, pour les années à venir, pour d'autres personnes. Là, il mettait l'obscurité pour pas avoir de témoins. Je sais pas ce qu'il fera de plus après pour pas avoir de témoins, quoi, en fait. Docteur Chanceau, la cour d'assises a condamné Roland Cazot à 15 ans de thérapie. Est-ce qu'un homme comme ça se soigne? Vous avez entendu, il ne voit plus sa femme, il ne voit plus ses enfants, ses parents sont âgés, il est en prison, il va sortir. Comment il se sera reconstruit? Comment va se constituer sa vie? Et encore, lui, a la chance d'avoir un métier, entre guillemets, etc. Et donc, tous ces facteurs sont à prendre en considération. Et après, ben, il faut savoir que ce sont des situations à risque, à haut risque, et qui serait irresponsable de dire « quand il aura fait sa thérapie en prison, cet homme n'aura plus de dangerosité ». C'est faux de le dire comme tel. Ça veut dire que même si à un moment donné, on estime qu'on peut prendre le risque de le laisser ressortir, et de toute façon ce temps viendra, après le temps de la prison, il faut impérativement le suivre à sa sortie. Certainement. Lui se croit guéri. Quand je l'ai vu, il disait « j'ai progressé, etc. » Nous, les experts qui l'avons vu, avons vu que le même processus garde le même. Il a les mêmes représentations fantasmatiques d'une image féminine terriblement dangereuse qui le menace dans son identité. D'où le fait qu'il faut qu'il maîtrise des femmes en permanence. En respectant les 10 ans incompressibles et les remises de peine éventuelles, Roland Cazot pourra envisager de demander une liberté conditionnelle en 2012. Il aura alors 54 ans. Et quoi qu'il arrive, les départements de Gironde et des Landes lui seront interdits pendant 10 ans.
Sa femme a quitté la France avec ses enfants et elle a changé de nom.